Bienvenue pour ce nouveau Flash Info Télécom Valley. La commission PME, c'est parti. Présentée en novembre dernier lors du dernier Business Lunch 2008, cette nouvelle commission est opérationnelle. Tous les détails dans ce Flash. Le SICA à Sofia Antipolis, c'est ici que s'est réunie la première commission PME. L'objectif, présenter les différents points stratégiques de la commission. Retour quelques mois en arrière, en novembre dernier, Thierry Semyonov-Bru nous expliquait déjà quelles étaient les grandes lignes de la nouvelle commission. On se rend bien compte aujourd'hui que le nombre de PME dans Télécom Valley augmente. Il y a beaucoup de PME dans Télécom Valley, ce qui est un point fort et un avantage pour une association comme la nôtre. Donc on a parlé de développement international et autres, et donc il a été nécessaire pour nous chez Télécom Valley de construire une commission spécifiquement dédiée aux PME et à l'assistance pour ces PME. Et je crois que l'objectif a été atteint et que les gens ont trouvé une activité forte et vraiment dynamique de Télécom Valley dans la présentation des avancées de Télécom Valley ces derniers temps et dans la nouvelle commission PME, une réponse à leur attente si elles sont PME et qu'elles veulent développer leur business dans la région. Les deux responsables de la commission PME, les voici, Thierry Semyonov-Bru et Antoine Perry. Ce sont eux qui animent les réunions. Pour toutes vos questions, vous pouvez contacter les animateurs à cette adresse pme@telecom-valley.fr. Concrètement, la nouvelle commission est un véritable support aux PME, avec la mise en œuvre de documents et de liens pour savoir où trouver de l'info quand on est une PME, démarche sociale, juridique, statut d'entreprise innovante, prix d'ES ou encore action à l'international. Ce support, c'est également l'établissement d'une communication proactive vers les PME. Télécom Valley est partenaire du pacte PME. La commission s'engage à faire bénéficier les membres des informations, des contacts, des rencontres, des outils et des autres avantages du pacte PME français. Chaque mois, une réunion d'échange sur le type d'un Small Business Act permettra à un grand groupe et une PME de se présenter à tous et de s'engager sur le modèle du pacte PME. Donc c'est vraiment notre objectif de faire des réunions MET locales et de les faire ici. La commission PME proposera un point régulier sur l'utilisation de KMP et mettra en évidence les complémentarités entre les entreprises. La mise en œuvre de procédures et d'une aide à l'alliance des PME entre elles est également une priorité. L'idée, renforcer le partenariat avec la commission innovation de Télécom Valley. Des services mutualisés seront également proposés, comme la formation GPEC, l'aide financière aux PME en difficulté ou encore le groupement temporaire d'employeurs. Les missions à l'export, c'est un autre axe fort de la commission. Elle permettra d'accompagner des PME de Télécom Valley sur des missions à l'export, donc à utiliser les canaux et délégations région, pôle, Ubifrance, etc. Enfin, la commission accompagnera les PME pour que des projets voient le jour entre les entreprises de Télécom Valley. Pour des infos très détaillées, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.telecom-valley.fr et la page dédiée à cette nouvelle commission. Le Flash, c'est terminé. Merci à vous car vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter sur notre site internet et sur notre chaîne Télécom Valley de Dailymotion.